Ce pont se dégradait de plus en plus depuis les années 80, depuis qu'il avait été fermé, depuis qu'il avait été doublé en 1977 par le nouveau pont fonctionnel, mais sans aucun charme. Alors on se posait la question, que faire? Qu'allions-nous faire de ce vieux pont? En 1982, le Conseil général, carrément, avait décidé de le démolir. On ne pouvait pas accepter qu'un monument si important disparaisse. À côté du château sur son pic volcanique, à côté des remparts, à côté de ce village de caractère et de cette chapelle Notre-Dame-des-Anges gothique provençale. C'était un gros problème. Heureusement, en 1995, des élus bien intentionnés décidèrent de faire la Via Rhôna, la voie verte du Léman à la Méditerranée. Ils avaient choisi de faire passer cette Via Rhôna par le vieux pont de Rochemort. Alors on fit des devis pour voir à combien on pouvait évaluer le prix de cette restauration, 7 millions d'euros, c'était pas possible. Et en 2010, on eut vent de cette passerelle himalayenne sur le Drac, près sur le lac de Monténard. Et on alla voir et on s'aperçut que le projet était possible, qu'on pouvait le réaliser pour un prix 6 fois inférieur, de l'ordre d'un million d'euros. On trouva des subventions de la CNR, du Conseil régional, de l'Europe et de l'État. En 1840, le pont est construit pour la première fois. En 1858, la grosse inondation, le pont est emporté. Il est reconstruit en 1858.
1937, un camion-citerne se trompe de chemin et traverse. Il tombe dans le Rhône. Le pont n'est pas cassé et le chauffeur s'en tire avec trois côtes cassées. Juin 1940, l'armée française est en déroute pour couper la route aux Allemands. Elle détruit le tablier. Le pont va être construit pendant la guerre. 20 août 1944, les Américains bombardent le pont et abîment la pile centrale. Et le pont va être reconstruit après la guerre. En 1968, un nouveau camion traverse le pont, l'abîme sérieusement, et le pont après ne sera utilisé que par les piétons et difficilement par les voitures. Quand on est en train de faire les essais en charge de la passerelle, c'est-à-dire qu'on charge la passerelle de 90 ml d'eau, soit 90 tonnes, pour vérifier en fait le produit en lui-même, donc toutes les parties de montage, les parties génie civil, les parties études. Les travaux de la passerelle himalayenne de Rochemort sont terminés. Nul doute que le randonneur qui viendra du Léman à la mer par la Via Rhôna se souviendra longtemps de sa traversée du Rhône à Rochemort.